cuisine, allez-vous coucher, vous aussi, mes lords, allez-vous aussi, messieurs. Vous avez un train à prendre demain matin, la première heure, pour vous occuper de l'institut. Allez, 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 allez. Oh. Jusqu'à ce que la soit terminée, non? Que vous vouliez que je monte me coucher et que je n'accepte pas que vous veniez me déranger à 2 ou 3 heures du matin. Mon cher président, nous pourrions peut-être terminer notre partie dans le bureau. Et pour ne pas déranger madame, si par hasard nous avons terminé avant demain matin, je vous propose un divan qui s'y trouve et qui, ma foi, est très confortable. Absolument tout. Non, c'est vous qui le dites. Amparita, vous n'allez pas rester ici à laisser son, hein? Non, allez vous coucher vite. C'est bien, Volta. Mais oui, Volta. Allez, attention. Allez, mon cher président, à nous deux. La nuit est à nous. Attention. Je peux vous la porte et je Marie qui entend. Oh, vous entendez, Gaston, mais vous entendez, vous entendez. Oh. Mais nous ne sommes pas encore à Vichy. Oh. C'est vrai, je crois que c'est préférable d'attendre d'être à Vichy, justement. Oh, mais comment vous écoutez, comment... Seigneur, je vais faire le guide devant la porte du bureau pour voir si votre chère Marie n'entend pas qu'il faut dans ce temps tous les deux. Mettez-vous d'accord, bye bye. Oh, vous faites un film, hein. Qu'importe que vous déshabillez. Petit volant, c'est beau. Qu'il est absolument pas volant. Et je ne sais pas si c'est cette nuit de printemps, mais oh, 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 mais je suis nerveuse. Nerveuse, nerveuse, oh, oh, quelle nuit nous allons passer, oh. Lancez-nous ! Ne me frappez pas, Ferdinand, j'adore ça.
Alvarez, et si par n'importe quel moyen j'obtiens la commandite de la Seigneura Alvarez, je vous donne 10% des bénéfices de la maison, pas plus. Allez, faites-moi plaisir. Allez, la Seigneura Alvarez, continuez à vous enchaîner les coups. Enfin, pendant ce temps, je vais refaire le levier et me coucher en travers de la porte du bureau. Il faudra me passer sur le corps. Oh, quelle nuit. À tout à l'heure, trésorerie. Elle est espiègle, la patronne. Quand je vais me coucher dans mon lit. Je vais avec toi. Et hop, ça part. Vous m'avez toujours promis un petit week-end à la campagne. C'est l'occasion, jamais. Eh ben, je préfère jamais. C'est bien, je suis pas pressée. Voilà. Je vais aller m'étendre dans ton lit. Et je t'apprendrai. Et tu ne le regretteras pas. Je ne sais pas, c'est le chant de Rossignol. Donc c'est le chant du homard. Quoi? Et tu verras, j'ai apporté un déshabillé à petit volant, absolument affolant. Ben, elle aussi. Ça doit être un uniforme. Déshabillé. Oh, rien, rien, tu plus rien. Mais tu vois bien, tu es déprimé. Oh, Ferdinand, tu as besoin de remonter. Oh, Ferdinand, non, quelle nuit nous allons passer. Encore. Allez, maintenant, éteins et bonne nuit. Et voilà, c'est ça, c'est ça, t'es intéressant, hein. Allez,
En Italie et en dehors. Voilà. Et où je dors? Où je dors? Vous voulez me le dire? Où je dors? Monsieur Nicolas, qu'est-ce que vous faites là tout seul? Eh bien, c'est-à-dire que je ne pouvais pas dormir, alors évidemment. Alors vous avez fait ce que j'allais faire moi-même, un petit peu dans le jardin. Voilà. Mais si beau. Pourquoi vous ne pouvez pas dormir non plus? Ah oui, à cause de Ferdinand, hein? Peut-être. Allez, racontez-moi. Oh non, je n'ai pas de raison de vous faire mes confidences. Oh bah, elle a même fait les siennes, lui, alors. Oui, et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit tout ce qu'on peut dire quand on est amoureux. Lui, amoureux? Allons donc. C'est un coureur, un débauché. Ah bon? Ah non, avant peut-être, mais si vous prenez ça, non. Oh, vous êtes bien gentil, monsieur Nicolas. Mais je peux pas vous croire, ça. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? À peine arrivé, il a essayé d'embrasser la bonne. Zinaïde? Non. Ah, vous l'avez vu? Non, c'est elle qui m'a dit. Ah, oh, ben alors ça prouve rien. Croyez-vous? Ah oui, elle m'aura fait des avances et il les aura repoussées. Vous savez que c'est très féminin, ça, hein? Bon, pas tellement impossible. Mais en tout cas, c'est bien trouvé. Qu'est-ce qu'il y a, Pats? Purement dans mon estime. Allez, fini. Mais si les choses se sont réellement passées cette fois, pourquoi Ferdinand n'en a-t-il rien dit tout de suite? Bien parce que vous ne m'avez pas laissé le temps de parler. En fait, Ferdinand, j'ai peut-être tort de vous pardonner si vite. Non, puisque vous n'avez rien à me reprocher. Et puis c'est moi qui devrais vous en vouloir de m'avoir si mal jugé. Êtes-vous capable de m'en vouloir? Non. Et vous? Des
arrêté. Ah, vous voyez, à vous, ça vous fait quelque chose. Ben, évidemment. Eh ben, lui, rien. Et voilà, c'est comme moi avec Simone. Et voilà. Et... Mais peut-être qu'avec elle, ça pourrait marcher. Zinaïde, attendez, restez là. Je vous donne un moyen pour faire aimer de votre patron. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour le rendre jaloux. Jaloux? Mais comment? Mais je sais pas, moi, je sais pas. Tenez, laissez-moi vous prendre dans mes bras, comme ça. Laissez-moi vous embrasser, terré, comme ça. Paris, le baiser ravageur. Ça ne va pas beaucoup de monde, vous en connaissez beaucoup des trucs comme ça. Oh là là, mais les certaines, je vous demande qu'à vous les avoir. Oh, Nicolas, je sais pas, si c'est le chant du homard, ou le roi Zinaïde, mais je sens que je vois tous les traits. Oh, ma Zinaïde. Oh, Nicolas. J'ai connu les nuits où l'on chante toujours fort. Moi, je n'ai pas vu de grande près des fourneaux. J'ai les nuits de Nantua dans les romans. Moi, j'ai les nuits des Cibourg sous la patrouille. Ah, quelle nuit, printemps. Il y a si longtemps que je n'ai pas l'instant. Avec un habitant qui nous dit. Ah, Nicolas, oui. C'est
ça, il ne faut pas me la faire louper, maintenant. Mais où ils sont les deux autres? Ah oui. Eh, Ferdinand, Gabriel, venez ici. Qu'est-ce qu'il y a? Bien, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il est bientôt 1h du matin. Déjà? Eh oui. Vite que ah oui. Mais non, rien ne presse. Oh, si, si. Sinon, demain, j'aurai les traits tirés et je craindrai que vous ne plus jaune. Ah oui, c'est ça, oui, c'est quoi? Voilà. Allez, bonsoir. Au revoir, Gabriel. Allez. Au revoir, bonsoir, bonne nuit. Hein. Allez vous coucher, il ne faut pas avoir les valises demain. Allez, au revoir. Et voilà. Hop. Il n'y a pas de quoi te mêler. Je me mêle de tes intérêts. Une histoire fraîche et il ne faudrait pas que tu t'embrumes. Parce que un amoureux qui a les yeux, le nez qui coule et puis qui fait hâte toutes les 5 minutes, ça plairait beaucoup moins à Gabriel. Aussi, mon petit, Zou, va te coucher. Mais où veux-tu que j'aille me coucher? Eh bien, avec le Simon. On n'y avait pas question. Bon, alors avec un Paristar. Pas davantage. En moins que... Allô, j'ai dit 10 francs, dans le parc-mètre, j'allais courir dans les deux. C'est pas vrai. Oh. Ferdinand. Tu sais pas où tu devrais aller dormir? Je te l'ai dit, dans le poulailler. Non, je te suis sûr que les poules ne vont pas bien du tout, hein. Mais non, il y avait une qui louche, et l'autre elle a loqué. Une poule qui a loqué, c'était embêtant. Les secousses risquent de lui casser tous ses feux. Non, pourquoi tu as-tu tellement à m'expédier? Tu n'agirais pas autrement si tu avais un rendez-vous galant. Oh là là, il va me faire tout rater. Alors voyons un peu. Gabriel, bon, il n'y en est pas question. Clémentine, n'en parlons pas. Simone m'attend dans ma chambre. En Parita également. Alors? Alors, bien. Oh, tu n'aurais pas donné rendez-vous à Cécile. Oh, c'est Aïd. Oh, tu ne réponds pas. Monsieur Ferdinand, je considère ces insinuations malveillantes comme des intrusions intolérables dans le domaine de ma vie privée. J'ai dit. Thank you.
tiens seul à endosser la responsabilité des actes de mademoiselle Gabrielle. Et de quel droit? Bien parce que je suis ici pour vous demander la main de votre fille. Oh, la main de ma fille? Crapule! Ah, pour la part de chambre, là, de quoi vous venez-vous? Ah, mais qui me regarde? Je suis la petite amie de ce monsieur. Oh, misérable! Non, c'était avant de vous connaître. Oh, quand importe, c'est un jeune. Faites comme si j'étais pas. Je veux dire que vous êtes pédicule. Eh bien oui, exactement, je suis pédicule. Thank you.
qui travaille jamais trop. Moi, je prétends qu'il travaille du chapeau. C'est les originaux, je ne suis pas si ballot. Aujourd'hui, c'est mon tour de repos. Je n'ai jamais compris que dans les semaines, il n'y ait qu'un dimanche, c'est pas si. La chance revient.
dit que je l'aime, mais puisqu'il veut pas de moi et que je me sens tout ravagé, il faut que je me donne à un autre. Mais oui. Et c'est autre, c'est toi. Non, écoutez-moi, Jenny, vous savez ce qu'on fait ici? Bah non, mais je m'en moque. Voilà, ce que je veux, moi, c'est faire des bêtises. Dites-moi, Zinaïde, ici, ici, on vous rendra tellement belle que vous ne voudrez plus de moi. Oh, ça m'étonnerait. Écoutez, votre patron ne pourra plus vous résister. C'est pas Dieu possible. Chut. Mais qu'est-ce qu'on va me faire? Presque rien. On vous mettra sur le visage 3 kilos de pas davantage. On vous fera les cheveux pâles avec de l'huile et un jaune d'œuf. On vous fera quelques masques. Vous, Nicolas? Non. Oh, c'est dommage. Vous deviendrez, c'est rigolo, mieux que la Vénus de Milo. Oh, c'est trop beau. C'est un miracle. Ouais. De toute façon, qu'est-ce qu'on risque? Alors, patron, je suppose que vous êtes content, vous avez gagné votre procès? Merci, Ferdinand, merci. Je savais bien que je finirais par vous convaincre. Je cours chercher la seigneura Varet. Allez, entremetteur. Ah, mais pas du tout. Vous avez bien profité de ma tristesse, cher patron, pour faire de moi un homme de joie. Pas du tout, mon associé. Oh. Et sitôt la commandite de la seigneura Varès obtenue, ma maison deviendra l'institut Yacinthe et Ferdinand en lettres lumineux. Comme vos idées. Oh, peut-être, Ferdinand, tenez. Pendant mon absence, je vous autorise à user et même à buter du bar. Ça vous montrera. Et ça, c'est ça. Et puis j'en boirai. Un tantinet. Attention, Ferdinand. Un tantinet seulement. Parce que deux tantinets ici, ce serait trop. Mais quel rôle joue-t-il? Que boirais-je? Avec quoi me noircirais-je? Devant son chagrin, je l'avais accompagné jusqu'ici pour vous accorder sa main. C'est vrai, Gabriel. Arrêtez-moi. Fallait-il que je sois bien naïve pour croire que vous me regrettiez? Vous aviez de la peine. Mais j'ai fait plus que vous regretter, Gabriel. Ah oui, j'ai vu entre un cocktail et de telles foules, vous m'avez agréablement oublié. Adieu, viens, papa. Ah non. Je veux une explication avec ce monsieur. Eh bien, moi, je n'ai plus rien à lui dire. Adieu. Ah, jeune homme, je ne vous félicite pas. À votre âge, les gens s'amusent. Mais prendre le cœur d'une jeune fille de cette façon et le briser comme ça, alors là, c'est ignoble. Enfin, comment vous expliquer, cher monsieur, et à votre fille, que je suis victime des circonstances? Je ne sais pas, bah, qu'allez-vous faire? Ah, mais je n'ai pas l'intention d'en rester là. Je suis à vos ordres. Et d'ailleurs, vous avez plus d'abobie. Voyons, vous allez la rejoindre, vous allez la prendre dans vos bras, et vous allez tâcher de la convaincre. C'est alors, vrai, ça? Allez, vite, et courez donc, et courez. Oh. Merci, papa. Papa, pourquoi pas grand-papa? Moi qui me sens encore un cœur et des muscles de 20 ans. Oh, qu'il est mignon! Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est mignon! Ce sont des parisiennes. Ah oui, ce sont des parisiennes. Elles sont affolantes. J'aurais des mains d'appui à rayonnantes. Et je crois que dès que Gabriel aura épousé Ferdinand, il est fort possible que je me remarie avec une de ces petites sirènes. Thank you.
pardon, madame. Vous êtes parisienne, sans doute. Ah, non, alors vous êtes étrangère. Ah oui, je comprends. Vous voulez conserver votre mystère. Moi aussi, vous savez, j'adore le mystère. Oui, oui, moi, naturellement, je suis parisien. Oui, bien sûr, je ne suis plus toute première jeunesse, voyez-vous. Je viens juste d'avoir la quarantaine. Je m'adapte avec vous, ébloui, subjugué, mais je vous en prie, retournez-vous, afin que je puisse contempler en vous les trois grâces réunies en nous seuls. Mais contemple tout ce que tu voudras, Léopold. Oh, Émaïde, et vous êtes resplendissante, éblouissante, renversante. Ah, et tu n'as encore rien vu. Allez, viens. T'apprends la dernière nouveauté de Paris. Oui, qu'est-ce que c'est? Le péché ravageur. Oh, il dit pas ce péché, hein? Oh, qu'est-ce qu'on risque? Oh, viens! J'ai téléphoné à Gabriel, je lui ai dit de venir ici et je viens de voir Ferdinand courir dans les escaliers, gay comme un pinceau. Alors, c'est que tout est arrangé. Vous êtes content? Oh oui, c'est la porte! C'est la porte! Je vous le dis, ça se fait pas une attaque de nerfs! Ah non! Ferdinand est arrivé hier semaine! Et qu'est-ce qu'il y a? Enfin, pourquoi cette visite de tête de funérailles? Vous n'êtes pas venu me chercher pour me dire encore une fois que Ferdinand, il n'est pas là. C'est là, c'est là, c'est chiant. Non, vous vous foutez de moi. Il y a Ferdinand, vous vous foutez de moi. Oui, je vais aller, attachez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, nous discutions de quoi? D'affaires au sujet d'une toute petite commandite de rien du tout de 5 millions. Voilà. Je vais aller, Vous avez terminé tout le monde. Il faut que je termine.